La movie money est un phénomène qui a explosé. On est passé de quelques dizaines d'exemplaires des années précédentes à plusieurs milliers en 2019. La France est le pays le plus touché, 60% des faux billets movie money écoulés en Europe sont en France. On a affaire à une population délinquante qui n'est pas notre clientèle habituelle, hein, des gens qui ne sont pas des délinquants d'habitude, qui ne sont pas des voyous. Et surtout, de chez vous, vous êtes dans n'importe quel endroit de France, vous pouvez commander cette movie money et la faire livrer à domicile. Voilà. Vous pouvez remarquer que la bande holographique, lorsque on la bouge, vous avez donc la valeur faciale 20 euros et la DS Europa qui apparaît. Sur un billet movie money, on a une image qui ne bouge pas du tout. La signature du gouverneur de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, que l'on retrouve sur un vrai billet, qui est remplacée par la mention movie money. Si je tourne le billet, on se rend compte que sur le billet movie money, on a une mention en anglais. En fait, ce n'est pas légal, en fait, on a affaire à un accessoire. Il faut que les commerçants soient attentifs parce qu'ils reçoivent des paiements en espèces, parce que quelques secondes d'observation permettent d'identifier un billet movie money qui n'est en fait qu'une grossière contrefaçon.